reborn. Ah, la vie. La vie est courte. Le temps est court. Avez-vous la maîtrise du temps? Maîtrisez-vous tout? Si vous pensez que oui, ha! Vous serez surpris parce que nous allons découvrir ici. Mon Dieu. En un peu de temps, deux personnes très connues sont parties. Alors que tout allait bien, personne ne pouvait s'y attendre. Vraiment, c'est un choc. Regardez ça, regardez ça, regardez ça. Est-ce que vous voyez ça? Mais bien sûr que oui. Il y a quelque chose qui se passe ici. Et quand on regarde bien l'écran, on est vraiment déçu et découragé de la vie. On se dit, mais waouh, comment c'est possible? Quoi? Le temps est court. Le temps est court. Et c'est une personne ici qui l'a dit. Nous allons découvrir ça tout de suite. Mais avant, regardez ça, regardez ça. Sur la Terre, nous fêtons, nous nous amusons, nous faisons les fêtes d'anniversaire, comme ce que vous voyez ici. Comme vous voyez, comme ici, on avait l'habitude de fêter ces fêtes d'anniversaire. Voyez-vous? Personne ne pouvait se douter de ce qui allait se passer plus tard. Honnêtement, ça, c'est grave. C'est... Quand on regarde ça, on se dit, mais waouh, comment l'homme est si limité. Et quand on regarde dans la foule, on voit encore une deuxième personne qui est ici, juste là. Regardez bien. L'avez-vous identifié? Qui est-ce? Qui est-ce? L'avez-vous vraiment identifié? Attendez. Je vais vous montrer, je vais remontrer la vidéo pour que vous puissiez bien voir qui c'est exactement. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Regardez ça. La personne est ici. Oui. Voilà. Comme vous pouvez voir sur la photo, c'est la joie. Vous voyez? C'est la joie, c'est la vie. Comme d'habitude, nous sommes en famille. C'est la fête d'anniversaire des deux personnes. Nous sommes venus juste les soutenir. Mais cette vidéo nous choque encore. Quand on voit cette personne, ce stade, la musique, waouh, on se dit, Jesus Christ, Seigneur Jésus, mais que se passe-t-il? Regardez. Oui. Et ça, c'est ce que nous avons l'habitude de voir. Le fait d'anniversaire, la joie un peu, vous voyez. C'est comme ça. Et c'est ça notre monde. Personne ne peut te douter ce qui va se passer plus tard. On ne saurait pas que cette personne-là allait nous quitter. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Waouh! Hein? Quand je regarde ça, je me dis, tchiii. C'est un truc hors du commun, quelqu'un qui s'est amusé avec nous récemment. Tout à coup, cette personne n'est plus juste là comme ça. Non, attendez, revenez pas en arrière. Regardez encore ça. Je vous rappelle que cette personne qui est là, je vais essayer de vous aussi douter. Waouh. Est-ce qu'elle pensait qu'elle allait nous quitter juste comme ça? Regardez, pleine de vie, une personne pleine de vie comme ça, regardez, pleine de vie. Regardez. Qui aurait dû se douter que cette personne allait nous quitter comme ça? Le temps est court. Le temps court. Regardez cette image. Regardez ça. Est-ce que vous en rendez compte? Est-ce que vous en rendez compte de ce que nous sommes en train de voir? Non. Vous ne vous en rendez pas compte bien. Attendez. Ces deux personnes sont parties. Mais le problème, c'est que personne n'aurait pu deviner cela.
Personne n'aurait pu prévoir ça. Et vous avez vu dans la vidéo que nous avons montrée que ces personnes avaient été pleines de vie. Et c'était comme la fête, c'était la joie tous les jours. On s'amusait un peu, on faisait tout et tout et tout et tout. Mais c'est vraiment triste. La première personne, Didier Arafat, a eu un accident. Un grave accident. Il y a environ 2 ans. La deuxième personne, Ahmed Bakayoko, un ministre de la République, est décédé suite à une maladie. C'est allé tellement vite que personne n'a vu venir aussi. Tout ce que nous avons vu venir, c'est ça. Regardez ça. Non, c'est pas possible. Comment une personne pleine de vie comme ça peut-elle revenir dans un cercueil juste comme ça? Là, comme ça? Non, je ne peux pas croire ça. Vous voyez ça? Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Jusqu'à là, même quand je fais la vidéo, je me dis non, c'est de la blague. Non, c'est de la blague. C'est pas, comment ça peut être possible? Non, non, attendez, attendez. Revenez un peu en arrière. Regardez, regardez, vous allez voir ça. Regardez ça, regardez ça, regardez ça. Est-ce que vous avez vu? Le monsieur est plein de vie. Il n'y a rien à dire. Il est plein de vie. Plein de vie. Qui a vu cela venir? Qui a vu cela venir? Qui a vu cela venir, mes frères et sœurs? Qui a vu cela venir? Qui a vu cela venir? Personne. Personne n'a vu cela venir. Ça a choqué tout le monde. Vraiment, vraiment choqué tout le monde. Et jusqu'à présent, même, ça me choque. Tellement choqué que certaines personnes préfèrent s'exprimer en louant Dieu, en adorant Dieu, quoi. Parce qu'aujourd'hui, être en vie, c'est la grâce de Dieu. Regardez ça. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Gloire à toi, oh mon Dieu. Jésus, gloire à toi, ô mon Dieu de tout cœur. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Gloire à toi, ô mon Dieu, gloire à toi, ô mon roi, gloire à toi, ô Jésus de tout cœur. Jésus, gloire à toi, ô Jésus de tout cœur. Oh Dieu de gloire, Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham, oui, je te rends toute la gloire ce matin, Seigneur. Merci pour la santé que tu m'accordes, le Dieu vivant. Oui, merci pour la source de vie que tu m'accordes. Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te rendre toute la gloire ce matin? Oui, frère. Il y a plein qui n'ont pas eu la chance de voir ce beau jour. Il y a d'autres même qui sont couchés sur les lits des hôpitaux, qui n'ont pas eu cette chance. Mais toi, Dieu t'a fait cette grâce. Il faut le glorifier, il faut le remercier. Et regarde combien de fois il t'a aimé. Regarde combien de fois il t'a porté de son cœur. Oui, que la gloire te revienne, Dieu vivant. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité dans mon cœur. Oh, comment ne pas te louer? Comment ne pas te glorifier? Famille, il faut rendre gloire à Dieu. Les moments, les minutes qui passent, faut te rappeler de combien de fois ton Dieu t'a aimé. Parce que le temps est court. Le temps est court, frère. Le temps est court. Le temps est court. Le temps est court, frère. Le temps est court. Mes frères et sœurs, à la vie. Ah, la vie. Putain.
est vraiment court. Mais regardez-moi. Remettons tout simplement notre vie entre les mains de Dieu. Soyons un peu vigilants quand on marche. Sachons avec qui nous marchons. Parce que tout le monde ne nous aime pas, vous voyez. Honnêtement, tout le monde ne nous aime pas. Mais si Dieu nous aime, c'est largement suffisant. Nous devons faire poser mener de bonnes actions. Du camp notre vie. Pas pour plaire à l'homme, hein. Mais juste à cause de Dieu. À cause de Dieu. Ouais. À bas longue aujourd'hui, c'est tout un tas de problèmes. Sachez où vous mettez les pieds. Qui aurait cru que ça allait se passer comme ça? Qui aurait cru? Regardez la vie de ces personnes. Regardez vous-même. Une personne pleine de vie comme ça. D'ailleurs, cela ne suffit pas pour vous maintenir en vie. Et tout ça nous a donné cette réponse. C'est là que j'ai compris que vraiment, l'argent seul ne suffit pas pour que l'être humain soit en vie. Il faut s'attacher à Dieu. Ouais, il faut juste s'attacher à Dieu. Et regardez Dieu faire les choses. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'est parti. Waouh, c'est extraordinaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir, vous pouvez abonner à cette chaîne. Dans la description, se trouve un lien où vous pouvez télécharger tout simplement une note où se trouve notre formation bancaire. Merci à vous pour tout. Que Dieu bénisse et soyez prêts pour la prochaine vidéo. C'est parti. Free.